Abidjan le 9 mai 2014. Le chef de l'État a reçu en audience aujourd'hui le chef du Parlement congolais. Les échanges entre le président Ouattara et Justin Kumba ont porté sur la tenue prochaine des deux grandes réunions, dont l'une sur les changements climatiques qui se tiendra à Brazzaville. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré aujourd'hui la quasi-totalité des partis de l'opposition, y compris le FPI, dans la ligne de mire, la nouvelle constitution de la Commission électorale indépendante, CEI, dont une copie du texte a été remise aux responsables de l'opposition. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a pris part au Grand African Investment Forum au Nigeria, en marge du Forum économique mondial sur l'Afrique, une plateforme multipartite qui a en vue d'accélérer les investissements et un changement en profondeur dans l'agriculture africaine. Et puis, le président Salva Kiir a quitté aujourd'hui Juba pour Addis Abeba pour une rencontre cruciale avec son ancien vice-président et chef de la rébellion, Riek Machar. La rencontre devrait permettre de trouver une issue pacifique à la crise qui dure depuis décembre au Soudan du Sud. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images du président Alassane Ouattara qui a reçu au palais présidentiel cet après-midi le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en visite ici en Côte d'Ivoire. Vous le voyez sur ces images. Les échanges entre le chef de l'État et le ministre français devraient porter sur la réorganisation du dispositif militaire français dans la région. Et on reste au palais présidentiel avec cette autre audience accordée par le chef de l'État ce vendredi à une délégation de l'Association internationale des régions francophones, AIRF, conduite par M. Jean-Jacques Keyran, président de la région des Alpes. Le chef de l'État a indiqué au sortir de cette audience avoir eu le grand honneur de recevoir ses hôtes présents à Abidjan pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones qui se tiendra le 10 mai prochain. Jérôme Kofi Abola. Il va se tenir ici à Abidjan dès ce samedi 10 mai 2014 une assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. La Côte d'Ivoire faisant son entrée au sein de cette association sera présente à ce rendez-vous. C'est bien dans ce cadre que le président de la région des Alpes de France, Jean-Jacques Keyran, avec à ses côtés le président des régions de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, Jeannot Kouadio Aoussou, a été reçu ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Nous tenons notre Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones ici à Abidjan. C'est une rencontre annuelle et c'est un événement aujourd'hui puisque c'est aussi l'entrée des régions de Côte d'Ivoire au sein de notre association. Alors c'est un acte important parce qu'il marque cette volonté d'organisation que le président Ouattara rappelait d'avoir une assise démocratique, territoriale, qui soit cette assise territoriale aussi un facteur de développement et un facteur de solidarité. L'Association internationale des régions francophones compte en son sein 200 organisations. Avec l'entrée de la Côte d'Ivoire composée de 31 régions, ce chiffre, pour le bonheur des membres de cette association, se voit nettement en hausse. Le président de la République a aussi reçu en audience le chef du Parlement congolais. Avec Justin Kumba, les échanges ont porté sur la tenue prochaine à Brazzaville de deux importantes réunions, à savoir l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la Conférence parlementaire sur le changement climatique. Jérôme Kofi Abola. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, Justin Kumba, reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la deuxième audience au cours de la matinée ce vendredi 9 mai 2014. Elle a permis au chef de l'État ivoirien et au président de l'Assemblée nationale du Congo d'échanger sur la conférence parlementaire francophone sur les changements climatiques ainsi que sur la rencontre régionale Afrique. Ces deux grands rendez-vous prévus à Brazzaville. Et il était de notre devoir de venir rendre compte au président Ouattara de l'état de préparation de ces réunions et solliciter ses avis pour une réussite efficace de ces réunions. Et nous avons reçu de sa part les orientations nécessaires qui nous permettront d'améliorer notre état de préparation. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori-Soro, aux côtés de son homologue du Congo, au cours de cette audience, prendra part à ces réunions. J'ai, avec le président Kumba, passé en revue les questions liées aux activités de nos deux institutions, mais dans le cadre aussi de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et avec l'accord du président de la République,
J'ai marqué donc aussi ma volonté de participer, de contribuer au nom de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au succès, n'est-ce pas, de cette réunion que nous tiendrons à Brazzaville. À noter que ces rencontres vont se dérouler les 26, 27 et 28 mai 2014 dans la capitale congolaise, à Brazzaville. Après le chef du Parlement congolais, c'est un autre haut dignitaire du pays qui s'est rendu au palais pour annoncer une visite du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, annoncé pour bientôt ici en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo est allé porter l'information officiellement au président Ouattara, les précisions d'Awa Touré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Congo a indiqué que son séjour en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le prolongement de la visite d'État que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectuée l'année dernière à Brazzaville. Visite au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères ont été instruits de préparer la visite d'État du chef de l'État congolais en Côte d'Ivoire au cours de cette année 2014. Je viens de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour lui transmettre un message écrit de son frère et ami, le président Denis Sassou Nguesso, pour préparer une visite officielle du chef d'État congolais ici, au cours de cette année, et visite au cours de laquelle pourrait se tenir la première session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays. À l'occasion de la visite du chef d'État ivoirien au Congo, il avait été fait une annonce solennelle par le président Sassou Nguesso, c'est l'ouverture en 2014 d'une ambassade du Congo en Côte d'Ivoire. À l'occasion de mon séjour, j'ai procédé avec mon homologue à l'ouverture officielle de cette ambassade qui est devenue fonctionnelle. Nous avons échangé sur les projets d'accord qui pourront être signés à l'occasion de la tenue de la commission mixte qui coïncidera avec la visite du chef d'État congolais ici. La date sera trouvée de commun accord entre les deux hautes autorités, mais je peux déjà vous dire que ce sera cette année, en tout cas avant la fin de l'année. Cette audience a aussi été l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte de faire un tour d'horizon des questions internationales, notamment la crise en Centrafrique, où le président Denis Sassou Nguesso joue le rôle de médiateur. Voilà, c'est un commentaire signé Vivian Naïm. Deuxième titre de ce 20h, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré aujourd'hui la quasi-totalité des partis de l'opposition, y compris le Front populaire ivoirien, le FPI. Dans la ligne de mire, la nouvelle constitution de la CEI, la Commission électorale indépendante. La responsable des partis de l'opposition a reçu une copie du texte relatif à cette nouvelle CEI en vue de faire des observations. Et dès la semaine prochaine, Ahmed Bakayoko sera face aux députés pour défendre le projet de loi Brouléon. De 15h à 16h30, soit 1h30 d'échange entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et l'ensemble des partis politiques de l'opposition pour un début de consensus autour de la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, en témoigne la satisfaction de l'opposition qui se réserve toutefois le secret des rencontres politiques. Il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, c'est évident. On ne va pas les exposer ici et recommencer la réunion devant vous. Notre but, ce n'est pas absolument de faire triompher notre point de vue individuel, ce n'est pas cela. C'est de faire savoir qu'il existe des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement. Nous devons dire saluer cette rencontre initiée par le ministre d'État et qui ouvre la possibilité d'échanger sur un projet de loi aussi important pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons poursuivre d'échanger et nous espérons que les résultats nous permettront de faire avancer le dossier. À cette rencontre où le FPI est représenté dans le cadre de l'AFD, Alliance des forces démocratiques, par le président du PIT, le ministre d'État Ahmed Bakayoko n'a pas tenu un langage de bois. Il a expliqué que sa démarche ne peut aboutir à la modification du projet de loi car déjà adopté par le gouvernement. Toutefois,
A précisé le ministre d'État, il s'agit de connaître les observations des partis politiques pour leur prise en compte lors des débats parlementaires. Les débats au Parlement nous offrent l'opportunité, par des amendements, de faire évoluer le texte. Donc ces débats m'ont personnellement enrichi. L'intérêt, le but, c'est d'avoir un texte qui soit le plus consensuel possible. Ces échanges que les deux parties conviennent de poursuivre se tiennent en prélude au passage prochain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au Parlement pour soutenir la réforme de la CEI, un projet qui prévoit 13 membres à la commission centrale de l'institution contre 31 auparavant. Ce type de rencontre entre le gouvernement et l'opposition devrait être fréquent. C'est ce que souhaite le président de l'Union démocratique et citoyenne, UDC. Il a annoncé mardi face à la presse. Malek Théodore s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Pour lui, la cohésion sociale demeure encore fragile. Il faut donc renouer avec le dialogue social entre le gouvernement et l'opposition. Michel Dicré. Malek Théodore sans détour sur les questions d'actualité en Côte d'Ivoire. Le président de l'UDC déplore les positions tranchées de l'opposition et du pouvoir sur les sujets liés à la vie de la nation, tels que la recomposition de la CEI, le recensement général de la population. La Côte d'Ivoire ne peut progresser ni atteindre les objectifs des gouvernants et retrouver sa crédibilité tant intérieure qu'extérieure dans un contexte de dialogue de sourds qui l'expose au risque d'un péril encore plus grand que par le passé. S'agissant de la réconciliation, beaucoup reste à faire selon Mel Théodore. Certes, des efforts ont été faits, mais ils restent encore timides. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement le dos à la belligérance entre ses filles et ses fils, Mel Théodore souhaite une action vigoureuse du chef de l'État. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, est de retour à Abidjan. Le Premier ministre revient du Nigeria où il avait pris part au Grand African Investment Forum, en marge du Forum économique mondial sur l'Afrique. Une plateforme multipartite en vue d'accélérer les investissements et un changement en profondeur dans l'agriculture africaine. Hugues Veblé. Plateforme unique pour l'intensification de la croissance agricole durable et l'investissement en Afrique, le Gros Africa Investissement Forum a duré 2 jours. Organisé dans le cadre du Forum économique mondial, il s'est achevé mardi en présence du président nigérien Goodluck Jonathan et de ses homologues rwandais, tanzaniens et béninois. Tous et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ont souligné la nécessité de moderniser l'agriculture en Afrique. L'expérience de chacun des pays montre qu'en investissant lourdement dans l'agriculture, on améliore les choses. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui l'a noté, s'est fait un plaisir de présenter le Programme national d'investissement agricole qui fait 2040 milliards de francs CFA. Et nous avions donc indiqué comment ce programme est mené par le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire que l'investissement, 60% est fait par le secteur privé et 40% non par l'État. Et il y a beaucoup donc de gens qui sont intéressés, à la fois donc les nationaux comme les investisseurs étrangers, par ce projet. Et j'indiquais qu'à l'heure actuelle, le point qui a donc été fait, il y a 745 milliards qui ont été déjà mobilisés pour ce projet, presque un an et demi après. Donc, ce qui fait qu'à la fin donc, de 2016, nous avons réalisé donc, la totalité donc, de ce programme, qui doit quand même, il faut le signaler, employer 2 400 000 personnes. La Côte d'Ivoire a été retenue comme le 10e partenaire africain des pays membres de Gros Africa. La Fondation Frédéric Naumann a dressé avant-hier le tableau du libéralisme en Côte d'Ivoire. Objectif, faire comprendre au grand public les notions de libéralisme économique. Un état des lieux des efforts économiques engagés dans le pays a aussi été présenté. Juliette Ouéa. Le libéralisme économique existe bel et bien en Côte d'Ivoire. Et pour le démontrer, une conférence sur le thème « Le tableau du libéralisme en Côte d'Ivoire, le versant économique » organisée par la Fondation Friedrich Naumann. Selon les intervenants, ce courant de pensée qui prône la liberté de produire et d'échanger est une réalité dans le pays depuis son indépendance en 1960. Le modèle libéral ivoirien va connaître une accélération
avec l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011. Il est marqué, entre autres, par le libre-échange et les réformes économiques entreprises. Aujourd'hui, un Ivoirien peut créer une entreprise assez rapidement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de participer à tous les appels d'offres, que soit l'entreprise locale ou internationale, vous participez à tous les appels d'offres sans problème. Et les investissements massifs qui sont faits pour le bien-être des Ivoiriens, autant de mesures qui sont en œuvre aujourd'hui sur le plan économique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays en Afrique de l'Ouest qui est très très fort économiquement et qui a un très très grand potentiel, surtout maintenant après la crise, elle s'est très, très vite redressée. Cependant, malgré cette avancée, beaucoup reste à faire. Dès la base, on inculque d'abord l'esprit, l'initiative privée. Ça d'abord, il faut améliorer ça. Le second aspect qu'il faut améliorer, il faut essayer de voir le système des taxes en Côte d'Ivoire. Les conférenciers ont également prôné l'entrepreneuriat des jeunes pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici à 2020. Il avait été ouvert mardi. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a fermé ses portes hier à l'École nationale de police. Pendant 3 jours, des experts dans le domaine de la défense et la protection ont approfondi les réflexions sur la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. Le ministre chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, a animé la conférence de clôture où il a rassuré les experts quant aux dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour faire face au phénomène de la piraterie maritime. Le point avec Abou Sanogo. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure s'est achevé ce jeudi par une conférence. Les questions portaient essentiellement sur la thématique et le déroulement de ce salon. Se prononçant sur le thème « La piraterie maritime et la gestion des catastrophes », le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des assurances. Il a soutenu que la Côte d'Ivoire a un dispositif pour traiter de cette question. Le président de la République a perçu, n'est-ce pas, la menace, et nous avons, en ce qui nous concerne, pris les dispositions pour renforcer l'outil de la marine nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir une quarantaine d'embarcations pour montrer, n'est-ce pas, notre présence sur les eaux, au niveau du port, mais surtout sur le front maritime, afin d'éviter l'entrée et, n'est-ce pas, la perturbation de ce phénomène. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile de la République de Haïti, invité d'honneur de ce salon, Henri Patrick a rappelé les conséquences de la catastrophe naturelle qui a secoué son pays le 12 janvier 2010. Il a invité les États africains à prendre des dispositions pour éviter de tels drames. Quant aux exposants, ils se disent satisfaits de l'organisation. On a pu faire des échanges avec les décideurs, les intervenants de terrain, les gens qui sont concernés par la sécurité au premier lieu, avec des citoyens, et également échanger avec d'autres exposants avec qui on peut faire un échange d'expertise. Bon, vraiment, on est très, très satisfaits. L'organisation a été très impeccable et on a vu tout le corps représenté ici, toutes les grandes sociétés. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a enregistré la participation de 20 pays avec plus de 3000 visiteurs, une soixantaine de stands et un nombre important de ministres. En bref et en image, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a procédé ce soir même à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et de la communication. Pendant 2 jours, ces professionnels ont été formés à la meilleure manière d'accompagner le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Je vous propose d'écouter la présidente de ce Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la première dame, Dominique Ouattara. Au cours de ces 2 journées d'intenses travaux qui ont réuni près de 100 journalistes et communicateurs, vous avez manifesté un intérêt particulier à la protection de l'enfance et aux mesures de remédiation. Ainsi, vous avez abouti aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées et dont la pertinence témoigne de votre engagement à la cause des enfants. Je voudrais vous en féliciter et vous assurer de ma totale confiance quant à la mise en œuvre effective de ces recommandations. Ce vendredi, au cabinet du ministère de la Communication, une délégation de Reporters sans frontières RSF conduite par Cléa Kahn-Schreiber, responsable du bureau Afrique, a été reçue par Afousiata Bamalamine, ministre de la Communication. En toile de fond, les progrès réalisés en matière de liberté de la presse et les défis qui restent à être relevés par la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. De la 96e place en 2013
La Côte d'Ivoire est passée cette année à la 101e place sur 180 pays dont le rapport 2014 de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Des actions majeures restent donc à poser par les autorités ivoiriennes, au nombre desquelles figure la libéralisation de l'espace audiovisuel. Ce vendredi, les questions liées à la liberté de la presse en Côte d'Ivoire ont été évoquées par Afousseta Bamba Lamine, la ministre de la Communication, avec Cléa Kahn Sribel, responsable du bureau Afrique du RSF. En Côte d'Ivoire, la presse est très foisonnante, très libre de s'exprimer, mais il reste encore des sujets sensibles et des choses qui sont tout à fait possibles d'améliorer. Des points de satisfaction sont à noter en Côte d'Ivoire, le pluralisme d'opinion avec le nombre sans cesse grandissant des organes de presse écrite et de radio. La ministre de la Communication a souligné les défis à relever pour consolider la liberté de la presse dans le pays. En toute responsabilité, nous devrions d'abord faire le basculement numérique avant d'envisager effectivement la libéralisation. Et donc les dossiers se préparent de façon simultanée, de sorte que lorsque nous allons passer à l'un, l'autre puisse suivre sans difficulté. Cléa Kahn Sribel, la responsable du bureau Afrique de RSF, effectue une mission de 4 jours pendant laquelle elle rencontrera les patrons des structures de régulation des médias et des rédactions ivoiriennes. C'est en février 2014 que RSF a publié son rapport sur la liberté de la presse. Autre sujet, dans le cadre du programme présidentiel de logements économiques et sociaux, la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, prévoit construire 60 000 logements sur l'ensemble du territoire national, un programme qui connaît un début d'exécution avec déjà la construction de plus de 2 000 logements situés à PK18 dans la commune d'Abobo. Le témoignage de Grace Kando. Plus de 2 000 logements sociaux et économiques seront livrés bientôt aux agents du port autonome d'Abidjan, des finances générales et à des particuliers. Ces logements construits par la SICOGI, dénommée Résidence Concorde, sont situés à PK18 dans la commune d'Abobo. Moi, j'ai pris un appartement, une duplex R+4. Un travailleur, normalement, à 25 ans, il a besoin d'avoir une maison. Ce que je vois, je suis flatté. Et j'ai béni Dieu. C'est un sentiment de joie. De joie d'avoir une maison, un toit pour notre retraite. En prélude donc à la remise de clés qui aura lieu dans les prochains jours, une visite guidée du site a été initiée. Pour le directeur général de la SICOGI, cette visite permet aux acquéreurs d'apprécier la qualité de l'ouvrage. Le programme Résidence Concorde, qui comprend 2678 logements, est bâti sur une superficie totale de 50 hectares. À terme, c'est une ville nouvelle de plus de 15 000 habitants que la SICOGI va créer en ces lieux avec tous les équipements collectifs requis. À travers la présente cérémonie, la SICOGI tient à rassurer toute la population ivoirienne que le programme de logements sociaux du président de la République est une réalité. Démarrée en novembre 2010, la résidence Concorde aura en son sein plusieurs équipements collectifs, notamment un groupe scolaire, un centre de santé et des lieux de culte. Les travaux de bitumage et d'électrification sont en voie de réalisation. En santé, le ver de Guinée définitivement éradiqué de la Côte d'Ivoire, c'est le résultat de plus de 2 décennies de lutte contre la maladie. Le pays s'inscrit ainsi au nombre des 39 nations qui ont éradiqué le ver de Guinée de leur quotidien. L'OMS a remis un certificat d'éradication du ver de Guinée à la ministre de la Santé qui a appelé à la vigilance des populations pour éviter toute décontamination. Les images peuvent choquer, personne sensible à s'abstenir. Le compte-rendu est de Déborah Olapadé, commenté par Delphine Blas. Le ver de Guinée, désormais un lointain souvenir pour les Ivoiriens. 2 décennies de lutte acharnée de l'État de Côte d'Ivoire pour venir à bout de cette maladie invalidante. Après la variole, le ver de Guinée est la 2e maladie endémique qui vient d'être certifiée en Côte d'Ivoire. Votre département, Madame la Ministre, a su appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène publique en s'assurant un approvisionnement en eau de bonne qualité des populations à risque et en menant une surveillance épidémiologique efficace. La victoire acquise ne doit pour autant pas pousser les Ivoiriens
à baisser la garde, la maladie pouvant être toujours en embuscade. Compte tenu des risques de réintroduction de la dracunculose à partir des pays voisins, la CICED recommande que la Côte d'Ivoire maintienne un système adéquat de surveillance de la maladie à travers le renforcement de la surveillance intégrée des maladies et la riposte et du système de récompense. Et le ministre de la Santé d'ajouter que le certificat qui vient d'être remis à la Côte d'Ivoire parviendra au président Alassane Ouattara. Le certificat d'éradication est la conclusion du travail d'une mission internationale de certification répartie en 5 équipes. Ces équipes ont visité 10 régions, 25 districts sanitaires, 64 centres de santé ou formations sanitaires, 137 villages et interviewé 1450 personnes. Et c'est après tout ce processus que la Côte d'Ivoire vient de s'inscrire au nombre des 39 pays ayant pu éradiquer le ver de Guinée. Notre pays serait-il devenu un modèle en matière d'entrepreneuriat? Tout porte à le croire, vu que la culture entrepreneuriale mise en place par le FNJ, Fonds national de la jeunesse, séduit les autorités tchadiennes. Une délégation est même venue ici à Abidjan en vue de s'inspirer de ce modèle. Mamadou Kouassi. Ils ont abandonné Daba, Machette et Lim au profit des tracteurs pour cultiver le riz. Les jeunes membres de la coopérative agricole de Longo, dans la sous-préfecture de Niakaramandougou, bénéficient de l'assistance du Fonds national de la jeunesse, FNJ. Cette structure a mis à leur disposition tout le matériel qu'il faut pour la culture du riz, des intrants et une décortiqueuse des dernières générations. Avec ces outils, les jeunes veulent assurer l'autosuffisance alimentaire tout en améliorant leurs conditions de vie. Comme cette coopérative qui a perçu plus de 107 millions de francs CFA, des jeunes organisés en groupement ou individuellement ont reçu des financements de la part du FNJ. Au total, 46 projets personnels et 5 projets collectifs ont été financés sur l'ensemble du territoire national pour plus de 5000 emplois directs et indirects, le tout d'un montant de 1 milliard de francs CFA. Après quelques mois d'activité, ces jeunes entrepreneurs sont passés pour la plupart à la phase de production. C'est le cas de Ouattara Faïla, qui récolte 24 tonnes d'oignons sur une superficie de 2 hectares. Cette jeune dame aussi va récolter dans quelques semaines son manioc. Le FNJ est allé plus loin en mettant en place une politique d'encadrement pour la production, la commercialisation et le recrutement des prêts. Des initiatives qui ont suscité l'intérêt du Fonds national tchadien, FONACH. Nous avons voulu venir ici en Côte d'Ivoire et entreprendre la coopération Sud-Sud, et parce que nos réalités sont les mêmes. Pour cette raison que nous sommes ici, et nous croyons fermement à la coopération Sud-Sud. Améliorer notre dispositif pour que nous demeurions une référence et que nous soyons davantage une structure qui répond de façon favorable aux préoccupations d'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Lors des échanges, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a encouragé la délégation tchadienne. Il leur a également rappelé la volonté du chef de l'État ivoirien à créer 1 million d'emplois pour la jeunesse ivoirienne. Et selon lui, tout est mis en place pour réussir ce pari. Au cours des séances de travail, la délégation tchadienne a pu s'imprégner de la réalité du terrain en Côte d'Ivoire. On l'a appris cet après-midi, les États-Unis ont décidé d'apporter un appui de plus de 3 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts de réconciliation et de promotion de la paix en Côte d'Ivoire. À l'étranger, en bref, des experts américains sont arrivés au Nigeria pour participer aux recherches de plus de 200 lycéennes retenues en otage par le groupe Boko Haram. Le président Salva Kiir a quitté aujourd'hui Juba pour Addis Abeba en Éthiopie, où une rencontre cruciale devrait avoir lieu avec son ancien vice-président et chef de la rébellion Riek Machar. La rencontre devrait permettre de trouver une issue pacifique à la crise qui dure depuis décembre au Soudan du Sud. En bref, il y a une image également, ce geste symbolique qui aura à coup sûr une portée politique, profitant des commémorations de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, est arrivé aujourd'hui en Crimée. Il s'agit de son premier déplacement sur place depuis le rattachement de cette péninsule ukrainienne à la Russie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.